Alors, je vais te donner ma liste des 4 applications que chaque boutique de Shopify devrait avoir. Parce que c'est 4 applications qui sont primordiales, parce que chacune de ces applications peut te faire beaucoup d'argent. Alors, dans l'ordre. Premièrement, il te faut Klaviyo. Klaviyo, c'est ce qu'on appelle un email autoresponder. C'est-à-dire que ça, tu prépares des emails et ça les envoie automatiquement à tes clients en fonction des actions qu'ils ont prises dans ta boutique. C'est-à-dire, par exemple, tu connectes Klaviyo à ton compte Shopify et si tu as un client qui arrive et qui vient sur le panier, qui rentre son email et à la dernière minute, il s'en va, eh bien, avec Klaviyo, tu peux lui envoyer une liste une série de 3 emails, 4 emails, 5 emails, comme tu veux, où tous les jours, tu lui envoies un email pour essayer de le faire revenir sur sa page du panier abandonné, sur sa page de panier, pour qu'il puisse racheter le produit qu'il a laissé tomber. Tu peux aussi faire ce qu'on appelle des welcome series, où tu dis bienvenue à tous tes nouveaux clients et tu leur envoies pareil une série d'emails. Et déjà, rien que ces 2 séries d'emails te permettent de gagner beaucoup, beaucoup d'argent, surtout si tu as beaucoup de trafic et beaucoup de visiteurs qui viennent sur ton site qui vont constamment s'inscrire à ta liste. Il y a aussi beaucoup, beaucoup d'autres listes que tu puisses faire. Mais bon, pour l'instant, rien que ces 2 listes sont hyper importants. Et l'autre truc que ça permet de faire, c'est de lancer ce qu'on appelle des campagnes d'email où tu envoies, au lieu que ce soit automatique, c'est toi qui les crées. Par exemple, si tu as un spécial pour la Saint-Valentin ou pour Black Friday, tu peux l'envoyer directement à toute la liste à l'intérieur de Klaviyo et ça te permet de construire des emails qui sont vraiment aussi super, super bien. Donc, Klaviyo est super important. Deuxième application, c'est SMS Bump. Alors, SMS Bump marche un peu comme Klaviyo, mais au lieu d'envoyer des emails, ça envoie des textos, des SMS à tes clients qui ont abandonné leur panier, etc. Et c'est pareil, tu peux construire une séquence de SMS, de textos qui va être envoyée automatiquement à tes clients quand ils abandonnent un panier, par exemple. Ok ? Qui va être la séquence de SMS que tu utiliseras le plus et qui te rapportera le plus d'argent. Alors, la différence entre SMS Bump et Klaviyo, par exemple, c'est que Klaviyo, ce sont des emails et les gens sont bombardés d'emails tous les jours. Donc, au maximum, tu vas avoir 20-25% d'ouverture de tes emails. Mais l'avantage d'envoyer des SMS, c'est que ton client, il va ouvrir 95% des SMS. Donc, il verra ton message, il va revoir ce lien qui va le ramener à son panier abandonné et il va pouvoir ensuite finir son achat. Donc, SMS Bump, c'est la deuxième application que je recommande. Troisième application, c'est Lux. Lux, c'est une application qui te permet d'importer ou de demander des avis à tes clients et ces avis sont posés à l'intérieur de chaque produit. Parce que regarde Amazon, qu'est-ce qui est le plus important? Quand tu vas sur Amazon, qu'est-ce que tu regardes tout de suite? Tu regardes les avis des autres acheteurs, des autres clients. Okay? Et donc, il faut que tu aies le même système à l'intérieur de ta boutique sur Shopify. Les gens ne te connaissent pas la plupart du temps. Alors, ils veulent avoir confiance en toi. Et si tu peux leur montrer des images et des revues et des avis d'autres clients qui ont acheté chez toi ou qui ont acheté le même produit, ça va leur donner beaucoup plus confiance et ils vont automatiquement avoir plus confiance à acheter et ton taux de conversion va augmenter tout de suite. Donc, Lux est une application qui est primordiale à l'intérieur de ta boutique Shopify. Et finalement, la dernière, c'est OCU, et c'est le nom qu'on lui donne rapidement. Ça s'appelle One Click Upsell. Et One Click Upsell, ce que ça permet de faire, c'est que ça permet de faire des upsells, c'est-à-dire des ventes supplémentaires. Mais l'avantage de One Click Upsell, c'est que ces ventes se sont faites après que l'achat soit fait. Donc, tu ne perds rien et tu n'interromps pas ton client dans son chemin pour acheter ton produit. Donc, il vient sur ta boutique, il achète un produit, il n'y a rien qui se passe. Une fois qu'il a acheté le produit et qu'il a payé, One Click Upsell se déclenche. Et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont offrir, tu vas pouvoir proposer à ton client des produits supplémentaires en leur disant « Oh, pars pas, voilà une offre spéciale, achète ce produit ».
et tu reçois 30% off. Et tout ce qu'ils ont à faire, c'est cliquer sur un bouton et c'est automatiquement rajouté à leur commande. Ils n'ont pas besoin de rajouter leur carte bancaire, ils n'ont pas besoin de rajouter leurs informations. Les informations sont déjà rentrées parce qu'ils ont fait leur premier achat. Et là, tout ce qu'ils ont besoin de faire, c'est qu'on leur propose quelque chose qui va avec l'achat qu'ils ont fait. Et on leur dit, voilà, achète ça à un discount, à une remise. Et ils cliquent sur ce bouton et tout de suite, ils vont acheter ce produit. Ce qui va te permettre, toi, d'augmenter ta fiche client, qui va te permettre d'augmenter la moyenne du prix que, enfin des dépenses qu'un client va faire chez toi. Et donc c'est vraiment exceptionnel. Non seulement ça, mais One Click Upsell te permet de faire plusieurs upsells, tu peux en faire jusqu'à 3, et des downsells. Des downsells, c'est quand tu offres un upsell à quelqu'un, par exemple tu dis voilà, achète ce produit pour 30% off, et que le client te dit non, je le veux pas. Et ben derrière, tu lui fais une dernière offre en disant attends, t'en pars pas, je te offre le même produit ou un autre produit, mais cette fois-ci, je te l'offre à 40%. Est-ce que tu veux l'acheter? Et donc, l'avantage de faire plusieurs upsell et plusieurs downsell, c'est que, encore une fois, tu vas faire beaucoup, beaucoup plus de ventes et ton bénéfice et ta fiche client par acheteur et va augmenter considérablement, ce qui va te permettre de faire beaucoup plus de profit. Donc encore une fois, ces quatre applications sont primordiales et essentielles si tu veux faire plus de ventes à l'intérieur de ta boutique Shopify. Klaviyo, c'est pour les emails. SMS Bump, c'est pour envoyer les SMS. Loox, c'est pour mettre les avis. Et One Click Upsell, c'est pour leur vendre des produits supplémentaires une fois qu'ils ont fait déjà leur achat. À côté de chaque titre, je t'ai mis le lien pour y accéder, pour que tu ailles essayer ces applications. Et je mettrai aussi le lien en dessous de cette vidéo. Donc, va les essayer et je t'assure que ça fera une grosse différence à l'intérieur de ta boutique.